vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mode, une fois n'est pas coutume. J'ai un peu peur de l'effet enfonçage de porte ouverte de cette vidéo puisque je vais vous présenter 5 essentiels de ma garde-robe en été. Mais moi j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, c'est-à-dire qu'en été je porte ce que tout le monde porte, c'est-à-dire des robes, des shorts, des sandales, des paniers. Donc cette vidéo n'est pas du tout là pour essayer de vous faire croire que j'ai un style complètement délirant, c'est plus une façon de vous montrer ce que j'aime porter en été, comment j'accessoirise les choses, avec quand même un point commun dans tout ce que je vais présenter. Comme d'habitude, le confort. Voilà, vous n'allez pas me voir avec des sandales qui vous saucissonnent les pieds et qui vous font ressembler à des rosettes de lion. Vous n'allez pas me voir avec des talons ou des robes avec des coupes qui ne permettent pas par exemple de se pencher en avant, sinon vous montrez vos seins à la terre entière, ce genre de choses. Vous connaissez voilà, ma passion pour le confort globalement. Je trouve que la vie est trop courte pour s'emmerder, passez-moi l'expression, avec des vêtements peu pratiques ou inconfortables. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, je vais probablement pas vous montrer toutes les pièces portées, mais au fur et à mesure de la vidéo, j'essaierai de vous incruster soit des stories que j'ai pu faire sur Instagram, soit des photos, des posts Instagram ou ce genre de choses pour vous montrer comment je porte les différentes pièces. Mais je vais probablement pas faire de plan de coupe, sinon ça va durer très longtemps. Avant que la vidéo ne démarre, je vous invite à consulter la playlist mode sur ma chaîne YouTube dans laquelle je réalise de temps en temps, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais très souvent, soit des sélections shopping, soit des 5 jours 5 looks, j'en ai déjà fait 3 ou 4 par le passé, ça vous donnera, j'allais dire ça vous donnera des idées de look, mais franchement j'ai pas du tout la prétention de penser que mon look puisse inspirer des gens. Mais on va commencer par le premier essentiel qui est la petite robe d'été. Voilà, j'adore les robes en été, je trouve que c'est quelque chose de très pratique à porter. Surtout les coupes pour lesquelles j'opte, je vais vous en montrer quelques-unes, j'essaye de trouver des choses qui ne serrent pas autour de la taille, à nouveau pour être confortable, des choses qui sont pas trop moulantes non plus parce que quand il fait très très chaud je trouve que c'est extrêmement inconfortable d'avoir des vêtements qui collent à la peau et des matières qui sont également compatibles avec la saison estivale. Preuve en est avec cette petite robe de chez Des Petits Hauts, je vais baisser la caméra pour vous montrer. Je viens de l'acheter en solde, je l'ai lavé, je l'ai acheté hier, je l'ai lavé dans la foulée, je l'ai portée ce matin. Voilà, donc je ne sais pas si elle sera encore dispo au moment où cette vidéo sortira. C'est le modèle Hadoum, H-A-D-O-U-M, elle est en coton kaki avec des rayures en lurex doré, elle est fournie avec sa petite ceinture qui est dans dépassant et la ceinture est à la bonne hauteur pour moi qui suis grande, parfois je peux avoir un souci avec ça. Elle est extrêmement longue, donc si vous êtes toute petite, il faudra probablement la faire reprendre, donc il faut intégrer ça dans la balance à moins que vous ayez quelqu'un qui puisse vous faire de la couture gratuitement. Et elle a une longue fente sur les deux côtés. Ce qui lui donne un côté vraiment très élégant. Et donc les robes longues, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aurais pas la prétention de dire que c'est quelque chose qui me va bien, mais je trouve que pour ma silhouette, c'est chouette. J'essaye de me... comment dire, de sortir un peu de l'idée du ça me va, ça me va pas. Moi je porte surtout des choses qui me plaisent, mais ça serait très malhonnête de dire que je ne fais pas attention aux choses qui me vont entre guillemets, et je trouve que les robes longues me vont plutôt bien pour ma silhouette étant donné que je suis grande. Donc c'est une coupe dont j'use et j'abuse au quotidien. Bon, en termes de marque, on va quand même rester un peu redondant. J'ai celle-ci de chez Des Petits Hauts aussi, qui est de la collection de cette année, qui existe aussi en combi short et en jupe, qui est absolument magnifique, qui est en viscose mais qui du coup ne colle pas à la peau, elle est vraiment très agréable. Celle-ci également de chez Des Petits Hauts, avec des nœuds aux épaules fendus sur le bas, un tout petit peu plus courte que celle que je vous ai présentée, puis un joli ruban un peu écru à la taille. Et il y a également celle-ci que j'ai achetée en solde de la marque Leon & Harper, qui est une marque que je connais de nom, mais c'est le seul article que j'ai de cette marque-là, qui est dans un coton assez lourd. Ça pose pas de soucis en été, parce que du coup, ça a un côté, à la rigueur, un peu absorbant si vous transpirez un peu, bon, sachant qu'on transpire pas l'intégralité du corps, mais c'est pas désagréable, je trouve, d'avoir un coton assez lourd sur soi, même quand il fait chaud. Avec des petits froufrous sur les épaules, un décolleté rond assez prononcé dans le dos. Et pareil avec des fentes, non avec une seule fente sur un côté mais qui remonte assez haut au-dessus du genou. Sinon, petite robe en coton, en gaze de coton de chez Promode que j'avais pas payé bien cher l'année dernière mais qui est un petit peu jaunie, je vais la mettre de côté. Si elle est dans mon placard c'est qu'elle est propre mais elle a dû jaunir au fil des saisons. Celle-ci de chez Carole que j'aime beaucoup, pareil en gaze de coton, c'est une matière qui est très agréable en été. Et ça je sais pas si c'est de la gaze de coton mais ça y ressemble, c'est une très belle robe de la marque La Petite Française. Je vous avais fait des looks sur Instagram avec toute légère, très très belle. Et le gros point positif des robes, c'est qu'on n'a pas besoin de se demander le haut, comment ça va avec le bas, est-ce que la longueur est bonne, etc. On l'enfile dès le matin, quelques accessoires, un joli sac, une paire de chaussures et on est prête pour la journée et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Un autre de mes indispensables pour l'été, il s'agit des shorts.
J'adore les petits shorts en jean ou en coton. Principalement ce modèle de chez Bash qui s'appelle... Est-ce qu'il a un nom déjà? Il s'appelle C-Selby. Je vous mettrai ça sous la vidéo. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié s'il était encore vendu par la marque cette année, mais ce modèle-là, ça fait... je sais très bien quand est-ce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté en 2014, donc ça fait 8 ans et je crois que c'est un modèle qui ressort quand même assez souvent. C'est un short à la coupe parfaite. Alors, ma coupe parfaite ne sera probablement pas la vôtre, mais pour moi, il est absolument idéal. Il est pas trop court, je crois qu'en vidéo, on s'en rend pas forcément compte. Il a des poches plaquées ici, sans, vous savez, sans doublure de poche qui peut ressortir. Donc très joli, les poches à l'arrière sont parfaitement placées. Il est très froissé, comme vous pouvez le constater. On peut le rouloter, moi sur ma taille 1m78 c'est pas vraiment possible, mais j'imagine que sur une plus petite personne ça doit pouvoir le faire. Ils le ressortent chaque année, il est absolument parfait. Pour info, je porte une taille 2, sa taille grand, moi je fais du 40 en taille de pantalon et la taille 2 est absolument parfaite. Quand vous le sortez de la machine, il peut avoir ce côté un peu serré, mais il y a un tout petit peu d'élastane dedans, 1,5%, donc il se détend assez vite. Et ça, c'est vraiment un de mes indispensables. Donc je l'ai en plusieurs couleurs, dont ce gris anthracite. J'ai laissé ma ceinture dessus, c'est une ceinture des petits hauts, avec un aspect un peu délavé. Voilà, il est absolument parfait ce short, donc je vous invite à le tester si vous cherchez le petit short parfait. Puis après, c'est cool, une fois qu'on a trouvé sa coupe dans des marques comme Bash, on a quand même l'espoir de le voir revenir année après année. En termes de coloris de short, un short blanc, je trouve ça très très beau. Pour aller avec une marinière, pour aller avec un t-shirt avec une couleur un peu difficile à assortir, le blanc ça va avec tout. Il faut juste être conscient qu'il va falloir le laver tous les jours. On peut pas porter un short blanc deux jours à la suite à moins qu'on reste enfermé chez soi. À partir du moment où vous sortez, que vos mains frottent ou votre t-shirt ou autre, il faut absolument le mettre à la machine le soir. Une autre couleur de short que j'aime beaucoup, c'est le kaki. J'aime beaucoup le kaki en règle générale, que moi j'utilise presque comme une couleur neutre. Si vous ouvrez bien l'œil, le kaki ça va avec tout, avec du jaune, avec du bleu ciel, avec des couleurs très vives comme du rouge, ça va avec du noir, ça va avec du blanc bien sûr, mais vous pouvez à peu près tout assortir avec le kaki, sauf peut-être des nuances de gris et de vert qui peuvent un peu choquer le regard. Ça c'est un modèle de chez Vero Moda que j'ai depuis des années, mais vraiment ça fait 10 ans que je l'ai, donc je vous conseille pas forcément ce modèle de short en particulier. Mais des petits shorts en toile un peu cargo, kaki comme ça, on en trouve chez ProMode dans beaucoup beaucoup de marques chaque été, donc je vous conseille d'investir dans une pièce de ce genre là. Et après on a le mythique short en jean. J'en ai plusieurs moi, dont un qui est vraiment en bout de course, qui est de la marque La Redoute, que j'ai depuis plus de 10 ans. Il va falloir que je me résolve à le jeter je pense, ou le mettre dans une benne de recyclage parce qu'il est vraiment au bout de sa vie. Et donc j'ai réinvesti cette année dans un short, dans un jean plus clair que ce que j'ai l'habitude de porter. Alors il paraît immense, mais c'est un jean taille, c'est un short taille haute. Il est de la marque Des Petits Hauts, pareil c'est un modèle de cet été, je pense qu'il sera encore en solde au moment où cette vidéo sortira. Je suis en train de préfilmer pas mal de trucs donc je suis pas certaine, mais ça vaut le coup d'aller regarder. J'ai opté pour un modèle taille haute, ce qui est pas forcément ma tasse de thé en termes de short, mais celui-ci je le trouve particulièrement bien coupé. C'est un jean qui est très épais, il a un petit revers qu'on ne peut pas découdre, hein, qui est cousu sur les côtés ici. Ça en été avec un t-shirt blanc bien coupé, un petit panier, une paire de sandales dorées, ça colle hyper bien. Et je trouve que c'est très agréable à porter et surtout pas prise de tête. On a fait le tour des vêtements, on va passer aux accessoires. Tout d'abord les lunettes de soleil. Vous avez été nombreuses récemment à me demander de vous faire une sorte de tour d'horizon de toutes les paires de lunettes de soleil que je possède. Alors il y a des trucs comme ça qu'on achète plus ou moins facilement. Moi j'ai un gros problème avec les lunettes de soleil. Pourtant il n'y a pas énormément de modèles qui me vont. Il y a des gens, on peut leur mettre n'importe quelle paire, c'est joli sur eux. Moi j'ai un gros visage, j'ai un visage vraiment très très rond. Donc tous les modèles ne me vont pas entre guillemets. Donc c'est pas forcément un truc sur lequel je peux craquer à l'aveugle justement. Mais j'ai une passion pour les lunettes de soleil. Je trouve que ça rajoute un petit truc à une tenue. Il y a quelques années en arrière j'en portais pas parce que j'en éprouvais pas le besoin, et alors est-ce qu'on s'habitue ou est-ce que la vision est différente avec l'âge? Je parle de ça comme si j'avais 70 ans, mais peut-être que, je sais pas, les yeux deviennent plus sensibles avec le temps, je n'en sais rien, mais aujourd'hui je ne peux plus conduire ma voiture si j'ai pas de lunettes de soleil, donc j'ai toujours une paire vraiment lambda, vous savez les paires qu'on reçoit dans les box, ce genre de choses que j'ai dans ma portière de voiture. Et après je vois ça vraiment comme un accessoire. Alors j'ai trois paires très coûteuses. Mais vous allez voir que moi je conseille pas forcément d'investir énormément d'argent dans des lunettes de soleil parce qu'il y a des marques moins coûteuses qui font de très beaux modèles avec des verres d'extrêmement bonne qualité. Donc c'est un peu fait ce que je dis pas ce que je fais, mais à part si vous avez vraiment déjà les moyens et puis vos vues sur vraiment un modèle
très très caractéristique qui n'existe que dans une seule marque, pourquoi pas, mais sinon vous allez voir, je vais vous montrer qu'on peut trouver de très beaux modèles pour beaucoup moins cher. Donc ne vous inspirez pas de ce que je viens de vous dire typiquement pour cette paire qui est une paire de lunettes Yves Saint Laurent que Quentin m'a offert pour mon anniversaire de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ce sont des lunettes de soleil en forme de cœur avec un aspect un peu papillon. Clairement c'est le type de lunettes sur lesquelles on vous fait des remarques toute la journée, des remarques positives hein, mais voilà, ce sont des lunettes qui se remarquent et je les trouve magnifiques et ça c'est vraiment un accessoire à part entière. Je les aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai cette paire de la marque Chanel que j'ai depuis une éternité. Je les ai depuis que j'ai 20 ou 21 ans et j'ai 34 ans, donc ça fait vraiment très longtemps que je les ai. À l'époque les lunettes Chanel coûtaient beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Je pense que c'est un modèle qui n'est plus forcément à la mode, mais vu que la mode est un éternel recommencement, je les garde. Elles ont le petit papillon avec le sigle Chanel, je les avais achetées parce que justement je trouvais que le logo était assez discret. Je les trouve très belles, mais pour être tout à fait honnête, je ne les porte plus actuellement, mais je ne doute pas qu'un jour elles reviennent à la mode. Donc je les garde précieusement, elles ont un très très bel étui matelassé. Et la dernière paire, ça fait partie justement de ces fameuses paires qu'on trouve pas vraiment dans d'autres marques, ce sont les Baby Audrey de la marque Céline que j'ai acheté de seconde main sur Vinted, qu'il faut absolument que j'aille faire régler parce qu'elles sont, enfin elles sont pas du tout réglées, la branche est complètement plate derrière, je pense que la personne qui les avait achetées ne les avait jamais portées, ni réglées, parce que je les ai reçues comme ça, elles sont dans un état complètement neuf. Ça fait partie de ces formes très caractéristiques qu'on retrouve chez Céline quasiment uniquement. Je les ai eues à très très bas prix, presque moins 50% du prix de base, alors qu'elles étaient vraiment dans un état neuf. J'ai eu la facture, la petite pochette, même la boîte en carton autour, donc vraiment c'était un super super achat. Je suis pas certaine que je les aurais achetées au prix fort, mais je les trouve vraiment ravissantes et elles ont ce côté, si vous connaissez la marque Céline et les lunettes, je trouve qu'elles sont assez reconnaissables. Et je les aime beaucoup, il faut juste absolument que j'aille les faire régler, mais je ne sais pas trop chez qui aller parce que... Je vais rentrer chez un opticien en disant je n'ai pas acheté ces lunettes chez vous et je vais les faire régler, donc il faut que je trouve qui accepterait de me le faire pour que je, en payant bien sûr, parce que je pense que je peux pas faire ça chez n'importe qui. Et l'autre marque moins coûteuse dont je voulais vous parler, il s'agit de la marque Jimmy Fairly qui est une marque de lunettes de vue et de lunettes de soleil pour hommes et femmes d'origine française que j'aime énormément, et vous avez des modèles entre 100 et 150 euros qui sont très très beaux avec une très belle qualité de monture et de verre. Et alors voilà, c'est pas de la grande marque, mais j'ai 3 modèles, mais je dois en avoir 4 au total, je les ai peut-être pas toutes amenées. Je les trouve ravissantes, je me souviens plus du nom des modèles, celles-ci ça fait bien 2 ans que je les ai. Elles sont vraiment parfaites. Ensuite, cette année, j'ai acheté ma première paire de lunettes complètement noires, si je ne m'abuse. Elles ont un tout petit peu d'écailles de tortue sur le bas, je me souviens plus du nom du modèle non plus, mais j'essaierai de vous retrouver quelques références pour vous mettre sous la vidéo. Ce sont des montures qui objectivement sont très solides, très robustes. Moi on me dirait que ce sont des lunettes Céline ou Dior ou autre. Franchement j'y croirais, elles sont vraiment géniales. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais je dirais pas que je déconseille les lunettes de vue de Jimmy Fairly, mais le réglage des montures, les verres, la qualité des verres, etc. pour moi n'égale pas la qualité d'un vrai opticien. Moi j'ai de très très faibles problèmes de vue, je suis hypermétrope, j'ai besoin de lunettes juste pour travailler, être devant un ordinateur. Mais j'ai pas une correction incroyable, donc si vous êtes myope ou que vous avez vraiment des verres bien spécifiques, je vous invite quand même à vous rendre chez un opticien conventionnel. Et chez Jimmy Fairly, j'ai aussi cette paire qui ressemble à des petites madeleines. Je les trouve magnifiques. J'ai oublié de vous dire, il y a aussi des modèles pour enfants, pour filles surtout. Inès a une paire de chez eux en forme de cœur, elles sont absolument incroyables. Et voilà, les lunettes de soleil pour moi c'est vraiment un accessoire quand je les porte pas, je les mets sur ma tête. Et c'est quelque chose que je porte tout l'été et que pour lequel je m'amuse en tout cas à faire des associations astucieuses au niveau de mes looks. Je m'en sers vraiment comme on pourrait porter un collier, un bracelet, une montre, etc. Moi les lunettes de soleil ça fait vraiment partie des accessoires que j'apprécie en été. Ensuite, pour les sacs à main, je vous renvoie vers ma vidéo collection de sacs à main que je vous mets sur l'écran. Dans cette vidéo je ne vous parlais pas des paniers que je possède et donc je vais profiter de cette vidéo pour vous parler des paniers que j'ai. J'en ai 1, 2, 3, 4 et peut-être un cinquième parce que je les range pas tous au même endroit, mais je crois que là j'ai à peu près fait le tour. J'aime beaucoup les paniers, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique parce que ça se porte rarement à l'épaule. Vous allez voir que j'ai juste un modèle qui est bien fait, les autres c'est vraiment des paniers à porter à la main. Pareil, ça fait partie de ces accessoires de l'été qui sont très reconnaissables, ça fait très été, très plage. On va commencer par celui-ci, qui est d'une créatrice dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas très grave que je m'en souvienne pas parce qu'elle ne fait plus de création, ce qui est bien dommage. Elle pouvait vous customiser des paniers avec donc ce petit... biais en dentelle anglaise de la couleur de votre choix, les pompons de votre choix et le Liberty de votre choix sur les poignets, et puis votre prénom ou le mot que vous souhaitiez devant. Donc je l'avais complètement personnalisé
Je l'aime beaucoup, c'est un cadeau que j'avais fait aussi pour des naissances, parce qu'on peut le faire aussi pour des enfants. Et malheureusement, elle a arrêté son activité. Donc si vous connaissez quelqu'un qui peut faire quelque chose de similaire, je veux bien que vous mettiez son nom ou son e-shop dans la barre d'infos, parce que je trouve que c'est très sympa. Ça, c'est vraiment mon panier pour aller à la plage. Mais si je dois aller faire des courses et que je sais qu'il me faut un cabas assez grand, c'est vraiment typiquement le genre de choses que j'emmènerai avec moi. Ensuite, mon panier du jour, bah, je vous mens pas parce qu'il y a tout dedans. C'est un panier que j'ai reçu dans un envoi presse. Je ne connais absolument pas la marque, mais on en voit dans beaucoup beaucoup de boutiques. Il est assez plat, il se tient que à la main, il est très ajouré. Et puis à l'intérieur, il faut essayer de faire un petit jeu avec voilà, des pochettes. Ça, c'est une de chez Des Petits Hauts, pour trier un petit peu ses affaires pour pas que tout soit mélangé, puis que tout ne soit pas à la vue de tout le monde non plus. Et celui-ci, pareil, j'ai complètement oublié la marque, donc je suis désolée. J'essaierai de vous retrouver ça. Je l'avais commandé sur internet il y a bien 4 ou 5 ans en arrière. À nouveau, on pouvait choisir la couleur de tissu sur... les deux anses, et il a une forme, voilà, il se garde ouvert, pareil dedans, les petites pochettes de ce style là, ça c'est vraiment un petit accessoire, vous allez même en soirée avec ça, ça rend vraiment hyper bien. Et ce panier, j'allais dire que je ne me souvenais plus de sa provenance, mais heureusement j'ai encore une pochette à l'intérieur, Polisson Paris, j'espère que la marque existe encore. C'était un petit système de panier où vous pouviez choisir la bandoulière, donc ça c'est un panier qui se porte vraiment en bandoulière comme ça, donc hyper hyper pratique pour avoir les deux mains libres. J'avais opté pour cette bandoulière rose gold, et vous avez deux couleurs de mousqueton, donc doré et argenté, c'est ceux que j'ai à l'intérieur. Et donc quand vous achetiez le panier, vous receviez les deux couleurs. Lui, il perd un petit peu sa forme à force d'être un peu comprimé dans mon placard, mais c'est un accessoire que j'aime beaucoup. Et on va finir cette vidéo par les chaussures, donc vraiment on va parler de chaussures de plein été. Comment ne pas mentionner les Havaianas, qui sont pour moi un essentiel de mon dressing d'été, et pas forcément que pour la plage. Il y a quelques années en arrière, c'était vraiment une chaussure que je portais exclusivement pour aller à la piscine ou à la plage, et en fait je me surprends maintenant, depuis quelques années, à les porter vraiment au quotidien pour aller en ville, pour conduire. Je sais que c'est pas très bien, mais je conduis avec. Et ce sont des chaussures qui sont d'un confort sans égal, vous avez absolument aucun frottement, donc vraiment quand il fait très très chaud, c'est hyper agréable. Je porte surtout le modèle slim, donc avec une semelle un peu plus fine que le modèle complètement classique, et les brides aussi sont un petit peu plus fines. Havaianas, ça taille petit et ça fonctionne par double taille, donc moi je fais du 40 en pointure et je prends des chaussures en 41-42. Voilà, comme beaucoup de chaussures d'été, je vous conseille de surtailler. Si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille du dessus, parce qu'un pied qui déborde à l'avant et à l'arrière d'une chaussure ouverte, je trouve que c'est vraiment pas très joli. Puis pour une question de confort, c'est franchement pas plus mal d'être un peu à l'aise. Donc voilà, chez Havaianas je fais du 41-42, j'ai cassé mon modèle Havaianas de... ça faisait bien 3-4 ans que je les avais. La bride s'est complètement rompue ici, donc c'était absolument irréparable. Donc je viens d'acheter ce modèle un peu hors rose, mais c'est un bon investissement. Franchement, pour les kilomètres que je leur mets dans la tronche, je peux pas me plaindre. Et à force de les voir sur ma meilleure amie Morgane, j'ai profité de ma commande pour acheter ce modèle, qui est donc un modèle Havaianas également, avec un petit esprit torsadé ici, et qui passe derrière la cheville. C'est très confortable, c'est plus élégant que des tongs classiques, ça reste quand même voilà, des chaussures vraiment pour le quotidien. Je les ai pas encore portées, j'ai encore les étiquettes en dessous. Là aussi je les ai prises en 41-42, c'est marrant, j'ai l'impression qu'elles taillent un peu plus grand. Et j'ai pris voilà, une semelle un peu vieux rose et toujours un esprit un peu cuivré pour la bride. Ça va m'accompagner pendant tout l'été et surtout pendant mes vacances qui approchent. L'option plus élégante, ce sont quand même les petites sandales en cuir. Alors celles-ci sont de la marque Campo de Fiori, je les ai achetées dans une boutique qui s'appelle Piccadilly à Annecy. Je ne sais pas du tout où on peut retrouver cette marque en ligne. Je leur avais fait poser un petit patin et un petit talon parce que c'était vraiment une base de cuir. Ce sont des sandales voilà, qui sont un peu plus élégantes, c'est pas difficile, hein, que les Havaianas, avec des empiècements de cuir de plusieurs sortes. Voilà, des chaussures de ce genre-là, on en retrouve même sur les marchés en été, dans plein de marques différentes, chez Minelli, chez Jonac, chez Bocage, etc. Ça reste confortable, un peu moins que les Havaianas, mais moi je peux faire des kilomètres avec ça au pied. Et comment ne pas faire cette vidéo sans vous parler des mythiques Birkenstock, qui font partie de ces chaussures qu'on adore ou qu'on déteste. Les miennes sont dans un piteux état, je crois que ça fait longtemps que je les ai pas regardées de près comme ça, mais alors elles sont complètement rayées. Ça fait bien 5 ou 6 ans que je les ai eues avant d'accoucher d'Inès, donc voilà, ça fait au moins 5 ans que je les ai et que je les porte tout l'été. Alors chaque été quand je les remets, mes pieds sont en souffrance absolue parce que le cuir retourné qui est à l'intérieur m'irrite les phalanges et l'intérieur du pied, là où la chaussure remonte ici. Donc je me retrouve avec des ampoules qui saignent pendant 2 semaines et c'est absolument inévitable quoi que je fasse, même si je mets de la crème sur mes pieds.
même si je les porte pas tous les jours, et puis après c'est vraiment comme des chaussons, mais chaque été il faut un peu que mon pied s'y refasse, donc c'est quand même un tout petit peu contraignant. J'aime beaucoup ce modèle parce que la semelle est blanche, alors ça se voit pas beaucoup quand c'est porté, vous voyez ça fait quelques petits millimètres, mais c'est plus estival que les semelles complètement noires, et ça c'est un modèle un peu or rose. La dernière fois j'en ai parlé en story sur Instagram en disant j'ai l'impression qu'elles n'existent plus, et entre temps j'ai l'impression qu'elles ont fait une réapparition, donc j'essaierai de vous trouver un lien aussi. Ça ce sont vraiment des chaussures faites pour marcher, contrairement à ce qu'on peut penser en les regardant, mais vous avez vraiment une vraie voûte plantaire avec un vrai relief sur la semelle. Si vous avez des problèmes de dos, des problèmes de genoux, ce sont des chaussures que je vous recommande à 1000%. Moi ça fait des années que je porte des Birkenstock, quand j'étais ado, et puis après sur les coups de 18-20 ans j'ai eu de gros problèmes de genoux, et c'était vraiment mes chaussures de l'été parce que j'étais hyper bien dedans. Demain je vais à un festival, je pense que je vais les porter parce que vraiment... en termes de soutien pour la posture, elles sont vraiment vraiment excellentes. Et même si elles finissent par s'abîmer, ça reste quand même des chaussures assez robustes. Vous avez donc ce modèle à deux brides qui s'appelle Arizona, je crois. Vous avez le modèle Madrid avec une seule bride. Et puis après, il existe plein d'autres modèles avec un truc croisé, un truc qui passe entre les orteils. Moi, globalement, je porte plus que ce modèle Arizona qui est celui qui me plaît le plus. On va finir par un petit interlude luxe. Je me suis acheté les mythiques sandales Oran de la marque Hermès. Alors c'est pas un achat qui me ressemble dans le sens où dépenser de l'argent, autant d'argent dans des chaussures, c'est un truc qui me dépasse complètement, mais écoutez, je l'ai fait donc je vais pas faire comme si comme si ça m'avait servi de leçon ou comme si j'avais envie de me foutre des claques. Je ne regrette absolument pas cet achat, en revanche j'ai été punie par cet achat et je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait 3 ans que je les ai achetées, ces chaussures. Je ne les ai pas encore portées, comme vous pouvez le remarquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais les porter, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pu. Bon, finalement, je ne regrette pas l'achat parce qu'entre temps, elles ont pris quelque chose comme 50 euros de valeur. Elles sont complètement introuvables alors qu'à l'époque, je n'ai pas eu trop de mal à les acheter. Alors, je trouve que c'est une chaussure qui est incroyable. Le cuir est magnifique, la couleur est très belle. Ce sont des mules que je trouve très reconnaissables et que j'ai beau voir des copies dans plein d'autres marques, ça fait vraiment partie de ces chaussures qui m'ont tapé dans l'œil une fois que je n'ai jamais oublié. Quand vous voulez porter une tenue d'été et être élégante sans en faire trop, je les trouve absolument parfaites. La première année où je les ai achetées, mi-septembre, et à partir du moment où je les ai achetées, il s'est mis à pleuvoir sans cesse, et ensuite l'hiver est arrivé, enfin l'automne, mais ici ça ressemble plus à l'hiver, et je n'ai pas pu les porter de la saison. L'été dernier, Je souhaitais les porter, je n'ai pas pu les porter puisque j'avais un kyste articulaire sur une articulation de mon pied qui passait exactement sur la couture des chaussures, donc je n'ai pas pu les porter. Moralité, je vais enfin pouvoir les porter cette année, mais voilà, j'ai été punie de m'être fait cet achat de luxe qui ne me ressemble pas trop, et je vais enfin pouvoir les porter cette année. J'ai posé un petit patin aussi parce que idem, on est sur du cuir nu quand on les achète, et mon cordonnier m'a conseillé de les porter ici pour le talon et de mettre un petit patin par la suite. Ça taille petit, je les ai en 41, je fais du 40, donc attention si vous les souhaitez. Moi je les ai surveillés sur Vinted, Vestiaire Collective, etc. parce que j'avais pas envie de les acheter plein pot, je ne les ai jamais trouvés dans ma taille et dans ma couleur. Voilà, du 41, je pense que c'est pas une taille qui court les rues. Donc je les ai achetés plein pot, mais comme je vous disais à l'époque, elles coûtaient, je pense 50 euros de moins que le prix actuel, et elles étaient surtout pas autant en rupture qu'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui elles sont vraiment complètement prises d'assaut. C'est un achat que je ne regrette pas, mais pour lequel voilà, j'ai été punie parce que c'est donc la première année où je vais pouvoir les porter. Donc je les ai commandées sur le site internet parce que j'ai pas de boutique Hermès à proximité. C'est livré dans leurs deux petits dust bags, voilà, pour qu'elles ne soient même pas en contact dans votre valise ou dans votre placard. Donc rien à dire de ce côté-là, mais je suis contente de cet achat parce que c'est la seule paire, je crois, de chaussures vraiment élégantes que j'ai pour l'été. Et qui reste très confortable, hormis problématique de kyste articulaire au pied, mais c'était quand même pas de chance. Voilà pour cette vidéo sur mes 5 essentiels modes de l'été. J'espère que c'était instructif, j'espère que vous avez appris des choses. Je vous souhaite un très très bel été, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.